Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Dokkaning Challenge, hein. Comme tous les samedis à 14h, on essaye de garder le rythme, pour l'instant ça marche. Arrête de rigoler. Commence par rigoler déjà toi, avant que je te présente. Et aujourd'hui, on est accompagné de l'infatigable, que dis-je, le prodige toi-même. Comment tu vas ça... Arrête de me demander ça, putain, ça fait une demi-heure, on est en combi, me demande si ça va. Tu sais très bien que je vais bien, putain. Ah, regardez, il veut pas dire aux abonnés comment il va, il est grave. Mais je vais très bien. Les abonnés, ils ont envie de savoir, bah voilà. Je vais très bien, mais dans les commentaires, tout le monde s'en bat les couilles que je vais bien ou pas. Mais non, Soven, on te voit live 14h par jour, frérot. Faut bien qu'on te demande si ça va. Ouais, c'est bon, je suis vivant, tout va très bien. Un jour, on va le voir, les frérots. Il va plus être là, on va pas comprendre pourquoi. Et même YouTube, il comprend pas si je suis pas en live. Il se dit putain, mais il est où lui? Il a arrêté. On le voit plus que ses propres parents, faut le savoir. Hein. Donc aujourd'hui, les frérots, Dokkaning Challenge, comme je disais. On a que Soven, ça fait grave plaisir. On a réussi à choper, hein, parce que c'est un peu dur de choper, bien sûr, avec les horaires de tout le monde. Hein. C'est une galère. Tout le monde a une vie. Ouais. Et du coup, je vais déjà avant toute chose, si vous ne connaissez pas Soven, si jamais, je vous mettrai la chaîne en description où il y aura d'ailleurs la deuxième partie de ce Dokkaning. C'est gentil. Donc n'hésitez pas à check, à regarder et à vous abonner si ça vous plaît. Hein. Il y a beaucoup, il fait des vidéos très souvent, des lives très souvent, donc vraiment, n'hésitez pas à aller check. Ça fait plaisir. C'est normal, écoute, c'est normal, on est là, on donne. On est là. On est là. Donc, je vais rappeler rapidement les règles, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. D'ailleurs, on a ici sur le bouton i tous les Dokkaning Challenge d'avant, vous allez comprendre au fur et à mesure si jamais vous n'avez pas vu, vous inquiétez pas. Du coup... On va tirer 3 liens avec l'aide de ce site-là. Donc encore des gros bisous à Cas qui a conçu le site et à Trafalgar qui a fait les petits visus. Ils ont fait un travail monstre et plein de bisous à eux. Ouais, plein de bisous donc, à eux. Plein de bisous vraiment à vraiment beaucoup. On vous fait plein de bisous. Donc, on va tirer 3 liens par personne. Il va me saouler lui. on va prendre 2 persos par lien donc. Le lien du site sera dans la description. N'hésitez pas à jouer. D'ailleurs, ce site est pour la commu. Hein. Ça ferait plaisir. Et on va partir du coup avec cette team qu'on va composer avec ces 3 liens sur soit le Dokkan effréné, soit le boss rush de votre choix. Ça dépend de la team que vous avez. A savoir que le Dokkan effréné n'est pas disponible sur la version Jap de Dokkan Battle. Ils l'ont supprimé, je ne sais pas. Jure, ils l'ont supprimé. Bon. J'étais même pas au courant en fait. Ce mod il sert un peu à rien par au Dokkan. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi je l'utilise pour faire ça. Et donc, c'est très simple en fait. Si jamais il vous manque un lien, si jamais vous n'avez pas de perso avec le lien, parce qu'il arrive qu'on arrive. On tombe sur des liens très pourris, voilà, ouais. Sbire de couleur, équipe de badak, ouais. Des trucs comme ça. Des trucs bah, vous partirez avec un slot vide qui se transformera en Cyberman. Ah ouais, celui qui va le plus loin ou qui survit ou qui finit le plus vite à gagner. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Bah, écoute, je te propose que je commence à tirer les liens. Là, Soven, il est à l'aveugle. Je vais pas faire partage d'écran, je vois rien. Vous allez voir directement ce qu'on va tirer. Alors, s'il te plaît de la chance pour une fois. Non mais c'est pas possible. Bon. Tu vas me dire combat acharné, je alors, verra. On commence par les liens. Vas-y, on commence par les liens pour une fois. Allez. J'ai eu formidable ennemi, donc le lien que possède tout ce qui est les persos free to play qui se Dokkan avec des médailles de Dokkan Event, du coup genre Boutek, Super Boutek, les trucs comme ça. Ouais. Style rapide qui est absolument dégueulasse, je crois qu'il y a Barta qui l'a ce lien. C'est de tête, hein, je vais aller voir après, mais je crois. Ouais. Cauchemar, qui a un excellent lien, par contre celui-ci, ça fait ouais, plaisir. Cauchemar, il est lourd. Du côté de Soven, alors lui, de toute façon les gars, vous êtes habitués Dokkaning, forcément je tire de la merde par rapport aux autres. Et la soldat divin, briser la limite et liens familiaux. Voilà, c'est super. Il va pouvoir prendre le Goku du Battle Road qui donne 120%, tous les supports qu'il veut. Il va pouvoir, voilà, c'est bon. C'est vraiment gentil de ta part. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, on va pouvoir relancer un lien. Donc de notre choix. Pas mal. Donc Soven, oui. Quel lien veux-tu relancer? Tu m'as dit quoi? Soldat divin, combat. Soldat divin, lien familial et briser la limite. Bon en réalité, ça serait bête de relancer tes liens, mais si tu es sport,
Tu vas en relancer. Attends, mais j'en relance un seul de lien. Hein. Ouais, tu peux en relancer, mais si tu veux, t'es pas obligé de le relancer, hein, si tu veux le garder. Vas-y, je veux... Libre à toi, après. Liens familiaux. Ah, en plus, il est joueur. Il relance le lien du leader. Hein. Il est joueur. Ouais, on a d'autres leads. Il est joueur. Allez, relance la familiaux. Mécanique. Past. Je vais tomber sur mécanique. Je sais même pas ce que c'est comme lien, putain. Je crois que le nouveau robot agile a deux couleurs, là. Non, mais attends, j'étais très bien, en fait, avec mes liens, là. Mec, je le connais même pas, mais les trois, je les connaissais. T'inquiète, je te les envoie. Mécanique. Tout de suite. Mécanique. Je vais, moi, je vais relancer de style rapide, les frérots, parce que j'ai regardé, c'est vraiment de la merde. Non, mais attendez, c'est une blague. J'ai eu famille Hera. Moi, j'ai toujours les liens. Moi, j'ai toujours les liens des derniers trucs, genre les trucs qui servent à rien. Genre... les sbires de Bojack dont on s'en bat la race, les sbires de couleur dont on s'en bat la race, les sbires de Freezer dont on s'en bat complètement la race. Genre Yakon, Yamou, des bails comme ça, ça c'est moi, yes. Ça c'est moi. Ça on aime ça. Ça on adore, je t'ai tout envoyé sur Discord. Ouais. Bon, on va commencer du coup le type building, hop, on va faire disparaître l'écran. Je bégaye, genre lien mécanique frère. Hop. Enfin, encore hop, hop, hop. Mes deux premiers liens, ça va, soldat divin avec briser la limite, c'est cool, mais Starf le reste. Oh, j'ai un petit problème sur mon. Bon, vous verrez un truc de 2-3 secondes, il y a un petit problème sur mon overlay, c'est pas et grave. Tu m'as dit quoi? Deux persos par catégorie, hein. Enfin, deux persos par lien. On va faire ça. Voilà, hop. Attends, juste deux secondes. Voilà. Heureusement que j'ai vérifié. Donc, deux persos par lien, bien sûr. Ouais. Deux persos par lien. Alors, pour ceux qui ne savent pas où est le Dokkan Nefrini, il se trouve juste ici, les frérots. On va partir sur la finale. Alors, pourquoi on va sur le Dokkan Nefrini? Tout simplement parce que ça va être des leaders qui vont être assez stables et plutôt drôles, entre guillemets. Pourquoi? Parce que on va avoir les leaders jusqu'à les deux SSJ4. On va pas avoir les leaders d'après. Du coup, il faudra faire très attention dans le choix du leader qu'on va utiliser. On pourra pas trop utiliser le leader catégorie, ou vraiment faire très attention à qui utiliser dedans, parce que on pourra lead qu'un type. Et on n'aura presque pas de Néo en fait. Donc le choix du leader, il est assez crucial ici. Et il n'y a pas d'ami pété à 100% qui va tout faire. Et en plus de ça, on va avoir trois choix de chemin après. Donc c'est un peu plus stratégique. On va avoir soit Jubai, soit Black End, ou soit Seth. Bon, là on va prendre un ami leader dont on s'en fout, les gars. On va prendre un ami leader n'importe quel. Le but c'est d'aller build notre team. Donc. Alors, je rappelle que donc Soven a eu Soldat Divin, Brise la Limite et Mécanique, et j'ai eu Formidable Ennemi, Famille Hera et Cauchemar. Ouais. Donc, on va commencer par Formidable Ennemi, les frères. On va commencer par Formidable Ennemi. Ouais. Alors, ah oui, il y a le brûlé CJ3N comme par hasard, non, que j'ai pas farm. Yes. Parce que vous savez, attendez, j'ai une excuse. J'ai le brûlé CJ3 Tech. Donc, j'ai déjà dû en farmer je ne sais pas combien les montants en UR, etc. etc. Hein. Donc ce truc là je veux plus y toucher jusqu'à l'an voilà. Vas-y. Il hein. M'a saoulé. Bon, à part ça, on va aller sur je pense avoir trouvé ce qu'on va prendre, les gars. Je pense avoir trouvé. On a le choix entre Jis. Ça va être incroyable. Nice. Ah putain, c'est lourd là. Ah ça va être du très très lourd. Attends, hein, les gars. J'ai un perso mécanique mais je l'ai en version SSR, je crois. Est-ce que je peux le dockan en lien? Oh, tu... Si tu veux, tu le dockaneras après. Finis d'abord ta team. Elle est finie, ma team, déjà. Ah ouais, oui. Ah bah oui, le mec n'a pas le temps. Ah bah bah oui, c'est bon. Dockan, j'ai deux persos divins, deux persos brisés à la limite et deux persos mécaniques, là. Mécanique, t'as... Mécanique, j'ai pris, j'ai pris à râler. Bon, attends, moi, laisse-moi, s'il te plaît, choisir mes persos. Moi, je suis un peu plus dans le caca que toi, hein. Donc, Formidable Ennemi, on a le bout qui est SP10, mais dont l'arme n'est pas montée, bien sûr. Yes, putain, ça fait plaisir. Je ne vois pas l'utilité de le monter. Vous Bravo. Savez quoi, en fait? On va les prendre en dernier, ces persos-là, parce qu'en fait, ça va être du remplissage. Ça va pas être eux, nos leaders. On va aller sur Cauchemar directement, en fait. On va aller sur Cauchemar directement, c'est bien qui est vraiment intéressant ici. Alors, Cauchemar, on va avoir des leaders qui sont plutôt intéressants, par contre. Alors, comme leader, j'ai soit Zama Black, LR, soit couleur Int, soit Metal couleur Agi. Donc c'est déjà très bon au niveau des leaders. Soit brûler CJ3, après j'en ai d'autres mais bon ils sont pas très intéressants. Ou soit Janemba puis. Donc voilà, il y a de quoi faire honnêtement. Bon, Lien Cauchemar c'est un des meilleurs liens du jeu les gars, on va pas se mentir. Yes. Aussi. Attends, juste deux secondes je te coupe. Pour le Dokkan Effréné c'est dans lequel qu'il faut aller de combat?
La finale. Ok, la finale. Ah ouais, on est finaliste. Ah, bah oui. Ah, oh, quand même. Super 2, tout ça, on connaît. Et voilà. Ok. On a le droit au SSJ 4, hein, t'as dit. Oui ou non? Oui, t'as le droit. Ça va. Oui, tu peux. Si je veux, genre. On verra si on les interdit après cette vidéo. Non, parce que moi, ça m'arrange, en fait, là, c'est... En vrai, j'ai trop le seum parce que Family Era, il y a beau Jack Heller, mais genre, je l'ai pas. Bon, cauchemar. En fait, le choix du leader va être crucial, les gars. Donc, c'est plutôt très dur à choisir. Est-ce qu'on prend un leader catégorie déjà ou on va partir sur le. Ah ouais, il est comme bon. Ça, le leader catégorie, pas le temps et tout. Ok. Formidable ennemi, y'a qui en a. Bah, vous savez quoi, on va partir sur un leader catégorie. Allez, c'est moi qui régale. Oh, quel homme. On va partir sur le nouveau couleur. Boustouche. Je sais pas comment on va faire après, mais vous inquiétez pas, on va partir dessus. Faut bien faire. Je suis un grand homme, on je sais. Prends-toi, t'inquiète, c'est un grand homme. On donne et puis on reçoit pas beaucoup, mais bon, c'est pas... J'essaie de faire la victime. Ça, c'est pour vous dire que son lien Utip, il est dans la description, les gars, donc si vous voulez visionner quelques pubs. Ah ouais, j'oublie à chaque... Enfin, n'hésitez pas vraiment à aller sur le lien Utip qui sera dans la description. D'ailleurs, je le dis jamais, mais bon, si je le dis pas, il y a personne qui va dessus. Ah. Donc, voilà, n'hésitez pas, ça prend 2 minutes, vous regardez une petite pub. Faites comme moi, regardez, moi, je le soutiens tous les jours, je regarde les pubs, là. En ce moment, c'est quoi, c'est 3 pubs par jour, je crois. Du coup, je te donne 12 centimes et tout, ça m'est bien. Oh là, elle est trop gentille. Oh, comment ça, 12? C'est absolument faux, comment mec, ça, 12? C'est absolument faux, je m'en bats les couilles ton Utip. Mec, je regarde faut même pas, faut mes pas dire en vidéo, ça. Faut pas le dire en vidéo. Oh, faut croire qu'on est solidaire entre mais nous. On est solidaire, mais vas-y, gros. Faut donner... Il a défoncé la magie de YouTube. Ça y est, y a plus de magie, les gars. Ça y est. Oh là là. Bon, l'air de rien, je vais faire une team moins dégueu que ce que je pensais. Réellement, vous allez voir. C'est plutôt une team qui est très potable en réalité. Plutôt très très potable. Slater. Ah, toi, rigole pas. Tu rigoles pas, mais il est là que t'as eu, il est là, Gil. T'as pas le droit de rigoler. Là, hein. Moi, j'ai fini, j'attends. Ah, on est là. On est là. On est là. Attends, il est... Mais j'ai pas de. Mais non. Mais jure, j'ai pas le CLAJ. Aïe, aïe, il a pas CLAJ. Ah, j'ai monté le LR avec. Ah, il a pas honte, il a passé la J. Il a passé la J. Bon, c'est pas grave. Ah, j'en ai marre de ma vie, des fois. Oh, putain. Est-ce que j'ai le Vegeta farmé ou pas? Est-ce qu'on a le Vegeta farmé ou pas? Ah, c'est dommage, c'est le dernier slot qui manque, là, ça m'aurait fait plaisir. Putain, dommage, quoi. Bon, c'est pas grave, ça a pas beaucoup. Tais-toi. Hâte de te foutre de moi, d'accord. Lien mécanique. Ça m'a l'air laissé, non. Lien mécanique, j'hésite à mettre cacao en vrai. Oh là là. Mais fais-toi plaisir. Mec, j'ai fini, ça fait 3 quarts d'heure là. Je vais finir au chômage si ça continue ta vidéo. Attends. On a le chip, puis extrême, puis. Hop. Je suis en train de chercher en fait le bout où il est. On va prendre la catégorie. Heureusement qu'il y a des fuites de catégorie parce que sinon on se retrouve. De ouf. Saga debout. Ah, saga debout. Mais mec. Ouais, je prends les pas d'eau. Prends les pas d'Oka lui. Oh bon, vas-y, c'est bon, j'en ai marre, c'est pas grave. Allez, c'est bon. Bon, au niveau des items, on est sur du Dende Senzu, Roenma et puis Fantôme. Ok. Classique et classico. El Famoso Classico. Bon, du coup, vu que t'as laissé en premier, je vais te laisser l'honneur de présenter ta team et de dire quel lien tu as pris en fonction de quel point. Ok, eh bien, mesdames et messieurs, je vous propose, à partir de maintenant, de cet instant, de vous faire un showcase des unités que j'ai ramenées, qui sont toutes de type agilité. Et en leader, du coup, j'ai pris le Vegeta SSJ4. Donc, au niveau de mon leader, j'ai pris Goten et Trunks pour le lien briser la limite, qui lead à 100% et qui plus 4 le type agilité. Ensuite, deuxième personnage qui possède le lien briser la limite, c'est le Trunks LR Free to Play agilité farmé à 100% dès le jour de sa sortie. On le précise parce qu'on n'a pas de vie, voilà.
Niveau soldat divin, du coup, deux unités que j'ai ramenées. Jubai Kaioken, on attend son ZTUR sur la Global, aussi sur sa version Jap, mais là, il est là 100%. On l'attend. J'ai également ramené du coup le Vegeta Blue Evolution, soldat divin, pour compléter du coup le slot de personnages. Et pour les deux derniers persos qui ont le lien mécanique, j'ai pris la Raleigh que j'ai Dokkan, vous l'avez vu tout à l'heure en VOD, qui est SP1, qui est éclaté contre le sol, c'est pas grave. Et par contre, deuxième perso mécanique très très intéressant, le robot guerrier que j'ai mis à 100%. Voilà, voilà. Ok, t'as qui en leader? T'as pris Goten et Trunks. Ah, en leader ami, j'ai pris Vegeta 4. Ah ouais, punaise. Aïe, 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 aïe. Bon, moi, alors, pour le lien, donc, alors, on rappelle, j'avais Formidable Ennemi, Cauchemar et Famiera. Donc, pour le lien Cauchemar, j'ai pris Metal Cooler AG. Donc, El Famoso Bogos avec le Metal Cooler LR. Ah, putain. Donc là, il n'y a pas de souci sur la première rota. Au niveau de Famiera, donc, j'ai pris le Bojack AG qui est juste ici. Alors, le Bojack AG qui est SP1. Donc on va se faire plaisir. Yes. SP1, arbre gratuit, 1300. Ah, quel plaisir. Le couleur a deux doublons, d'ailleurs j'ai oublié de le dire. Zangia. Donc Zangia. Pas mal. Spédis, ouais. Zangia, yes. Quoi, t'as Zangia Spédis. Zangia Spédis. Ah ouais. Dokkan en plus, Dokkan. Oh là là, mais putain, mais. On rigole pas ici. Je joue à Dokkan Battle, what the fuck. Je joue à Dokkan Battle. Et pour le lien Formidable Ennemi, du coup j'ai Sauzer. Il est bon en vrai, Sauzer. 10, ouais, bon. Qui plus d'attaque et défense, plus 20% pour le type AG ouais. Attaque, donc vraiment ouais, il va ouais, me servir. Il est pas mauvais. Le Bou Pui qui s'est perdu ici, le Boutex Pui. Qui s'est perdu. C'est pas grave. En ami leader, j'ai pris un rosé AG. Ok. Et puis voilà, écoute, je te propose qu'on on démarre et puis on fait notre première rotation, ça t'en Ok, pas. Ça va. Je clique sur le bouton start et ça t'en dans la rota. Bon, alors, tu as combien de PV? 300 000. Pff, oh, aïe, 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 aïe. Quoi, t'en as combien? Oh, mais en plus, j'ai même pas... Oh, la malchance que j'ai, quoi. Le métal couleur, il est en dernière position. Et le couleur AG, il est en avant-dernière position. Ça veut dire que je vais mettre je ne sais pas combien de tours avant de les réunir les deux, alors que le Gogeta, j'aurais pu le one-shot en un tour. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On s'adapte. CR, on s'adapte. On s'adapte, on s'adapte. On est des gars comme ça. Yes. du coup, bon, bah, j'ai ma première rotation. Prête. Pareil, hein. I'm waiting for bah, you, écoute, buddy. 3, 2, 1, et let's go. Let's go. Allez, vas-y, on appuie comme des retards. De toute façon, Dokkan Battle, c'est juste un jeu de boules. T'as juste à cliquer pour gagner. On le sait tous. Incroyable. Hop là. On prend l'auto ici. On peut aller sur le boss du choix qu'on veut, on est d'accord après. Hein. Genre quand il y a Blagoku, ouais, ouais, Trunks et patati patata. Ouais, tu peux aller où tu veux. Ok, ça va, on va où on veut. Tu peux aller où tu veux, c'est libre. C'est en une manche qu'on fait ça? Ou Ouais. Après il y a le retour. Ouais, ouais, après il y a le retour. Ok, ça va. C'est celui qui finit plus vite. Ok, c'est celui qui finit plus vite. J'ai essayé d'être rapide alors. Bon. T'as terminé la phase 1 ou pas? Putain, c'est ignoble. Ouais, c'est ignoble par contre parce que j'ai mon métal couleur mais je peux pas partir en SP avec et j'ai envie de pleurer. Quel plaisir. Quel bonheur. Ah les gars, c'est ignoble. Genre vraiment, hein, c'est ignoble. C'est interdit les trucs comme ça. Vous voyez la chance que j'ai ou pas? Là j'ai le métal couleur qui aurait pu one shot Gogeta normal. Arrête de parler, c'est bon là. Parle trop ce mec. Laisse-moi parler à mes abonnés, toi, ok, hein. Vous avez pas remarqué sur Oven en ce moment sur les lives, il est comme ça. Quoi, ça a coupé? T'as dit quoi? Tu verras. Non, mais de toute façon, tu verras pas la tête que je fais. Putain, dommage. Tu sais que tout à l'heure, je regardais en haut, genre, pour voir ta tête en haut de l'overlay, même si on s'en bat les couilles. Ça a aucun intérêt, mais c'est pas grave. Par contre, là, mec, je viens de faire la pire erreur de ma vie. Je suis un grand culé. Je suis allé affronter les. Ouh, attends, la démonétisation là. Ouh. Ça va, la démonétisation est sortie. Déjà qu'il y a personne qui va sur YouTube, attention, hein. Attends, mais mec, là, c'est aussi mon problème. Non, mais je déconne, qu'est-ce que t'as fait, vas-y. Je suis parti affronter les sbires de sel. Ouh là là, quelle erreur, mon ami. De la part quelle du erreur français. Quelle erreur. L'erreur du joueur français. Mais je te conseille de faire pareil que moi si t'es fair play, mec. Comme ça, t'es. Je ne suis pas. T'es un mec bien. Non, mais en fait, je suis déjà parti sur Dubai, c'est trop tard. Non, aïe. C'est pas bien ce que tu fais. En plus, ma râlée, elle va jamais le tuer, donc c'est fini. Là. Oh, arrête, c'est bon. Arrête de 1. Tu trouves que Soven parle beaucoup? Vous trouvez pas que Soven parle beaucoup? Ah non, mais c'est fini, là je suis mort dans le game en fait.
J'ai plus d'avenir, c'est fini. Ah ouais, pas du tout. J'assure, il est en train de rouler sur le truc. Non, là. Non, mec, je viens de terminer la phase des sbires. Tu t'es cru, c'était quoi, là? Bah voilà, tu viens de terminer la phase des sbires, déjà. Mec, tu dis ça, t'es à Dubaï. Qu'est-ce que tu me dis, là? Attends, tu viens de finir la phase des sbires, mais t'es au courant que celle, il y a que deux phases après les sbires? Bah ouais, bah il y en a beaucoup, quand même. Hein. Ouais, mais justement, t'as déjà fini les sbires, et moi, je suis à la première phase de Dubaï, avec le tech. Bah ouais, bah... Donc, c'est pas ma faute, c'était pas rapide, mec. Vous avez entendu, il a dit t'es très très, il voulait dire nul, hein. Il voulait le dire, hein. Je voulais dire t'es pas rapide, et je me suis dit t'es très très pas rapide au final. Écoute, entre nous deux, c'est qui a tiré style rapide et qui l'a relancé, hein. Attends, j'avais lien familial, j'ai fait le beau jeu là quand même. Tu peux pas me retirer ça. Non, oh mec, j'ai pris mécanique. C'est du mécanique, mais j'ai à râler dedans. Ah mais comment je galère, c'est incroyable, genre. Moi je viens de voir Vegeta Blue se transformer, on dirait la même scène que dans l'anime. Incroyable. Je déteste ce jeu. T'inquiète, ce jeu aussi. Je déteste ce jeu. Bah ouais, ça se voit vu les rotations qu'il m'a donné. Oh putain. Par contre, c'était un troll là quand tu disais items et tout. Parce que là, franchement. Enfin, en quelle année tu utilises des items là? C'est chaud. Non, mais j'ai dit ça au cas où. Hein, j'ai dit ça au cas où, hein. Oh putain. Oh mec. On sait jamais. Il s'est passé un truc incroyable. Oh, putain, mais, mec, c'est un truc de fou là ce qui vient de se passer. Vegeta SJ4, il a compris XP, genre c'est jamais arrivé. Oh là là, ça arrive que contre moi, ça. Mec, même... contre moi, les persos, ils mais font. Mais je te jure, mec, moi, ils esquivent jamais, ils ont pas ça dans leur passif. Hein. C'est incroyable. Ouais, non, mais moi non plus. Hein. Ils peuvent moi pas. Moi non plus, t'inquiète. Bon, mec, je suis toujours bloqué au. Je viens de terminer la phase des sbires. Mais attends, tu m'as dit que je l'avais. Oui, c'était du mytho. Quel mytho celui-là, mais quel. Ah là là, le bluffeur, quel bluffeur. Non, c'est pas vrai. Toi, t'as fini Dubaï? Mais non, gros, je suis au SSJ là, le tech il m'a fait galérer parce que le seul hit que j'avais c'était. Putain, mais heureusement j'ai affronté les sbires alors, hein. C'était couleur. Parce que c'est. En fait, je me suis mis des handicaps et même écoute, en me détendant des handicaps, écoute. J'arrive à être plus rapide que toi. Écoute. Je c'est un plaisir. Les viewers pourront en attester. Ouais. Je n'ai jamais de chance. T'as jamais de chance. Non. Je n'ai jamais de chance. Les liens, je tire toujours les trucs pourris. Mais d'ailleurs, j'aurais bien aimé une bataille d'infirme, là, genre des liens de merde, mais des deux côtés. Là, j'ai jamais fait ça. Putain, j'aurais kiffé tellement. Bah, t'as qu'à trafiquer tes tirages au sort, là. Voir des petits 80 000 en valeur oh, d'attaque. Oh, le truc, ça va être un battle roll, le bordel. De ouf. Meurs pas. Non, t'inquiète. Le mec qui meurt en face, c'est lui là. Il a coupé mon truc. J'étais en mode, je chantais la deuxième partie. Il est revenu sur la partie d'avant. C'est bon, il m'a saoulé, j'arrête de chanter avec toi. Mec, voilà. J'ai réussi à proquer le Dokkan mode dans le Dokkan effréné, c'est possible ça? Wow. Je fais plus partie du boys band Dokkan Battle. Quoi? Mais je fais plus partie du boys oh, band. Oh putain, c'est triste. Hey, tu sais ce que je viens de faire? Non. Tu sais ce que je viens de faire? Je viens d'activer le passif de couleur. Wouah, t'es parti en dessous la barre des 50% HP, gros. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Tu sais que le pire dans les sens, c'est que ça va me faire perdre plus de temps qu'autre chose. Attends. Mais sa transformation, elle est incroyable. Oui, mec, le noyau, il est trop stylé. Il est incroyable. He's incredible. Oh, quoi de mieux que... Oh là là là, putain, en vrai, je vais finir en beauté, mec. Pour ta vidéo, ça va la sublimer. Qu'est-ce que tu dis de Trunks LR du futur pour tuer Trunks Ikari, quoi, genre. C'est pas trop bien. Oh, tu m'entends? Attends, j'ai... Le mec, il réfléchit. Yeah. Y'a mon daron qui est rentré, il s'en bat les reins. Il s'est fait daronner. Je te jure, il est passé derrière moi, il s'en bat complètement les reins, gros. Ah là là là. Bah donc. Ah mais attends, je pars en Dokkan mode, moi. Mais moi je te disais, mec, quoi de mieux que Trunks LR free to play pour tuer Trunks Ikari. Alors, le mec, c'est bon, il m'a mis 20 tours dans la tête. J'ai fini. Mais non, mais t'es pas sérieux si, là. J'ai fini. T'as fini? Ouais, j'ai fini. Oh, mais avec la team que t'avais aussi. Bah ouais, mais c'est toi, hein, c'est toi. J'en ai marre de toi. C'est ton concept aussi, hein. Même quand j'étais bonne team, ils ont des teams meilleurs que moi, c'est bon.
J'en ai marre. Oh là là. J'ai battu mon record en plus dans le Dokkan effréné, putain. Bientôt le championnat du monde, Aski. Oh là là. Ah, tu sais que mec, je viens de finir le Duboy. Ah bah, il te restait plus que Trunks et Carré, quoi. La tristesse. T'as fini là-bas? Mais oui. Mec, heureusement j'ai affronté les sbires de sel, hein, parce que putain. Bah, écoute. Bravo à toi, encore un énième Dokkanik avec les liens éclatés contre... Non, en vrai celui-là c'était pas mal. En vrai j'ai bien aimé, mais c'est dommage qu'il y ait une trop grosse différence entre moi et Sauvin au niveau des liens. C'est vrai. Mais la team était clairement potable. Je me suis bien amusé à la build, écoute. Ouais, c'est vrai. J'espère que t'as apprécié. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, j'ai bien apprécié. Un des meilleurs concepts. Je sais pas si on te l'a déjà dit, mais franchement, le jouer avec les liens, c'est super intéressant, je trouve. Et en plus, jouer dans le Dokkan effréné, un mode où personne ne joue, bah, on dirait un nouveau mode de jeu. Donc, c'est vraiment trop, trop bien. Le site qui est parfait, boostage qui est incroyable. On a enfin pu se capter, donc ça fait plaisir. Fait... quoi. Tu fais grave plaisir. Tu fais grave plaisir. Bah, merci. Écoutez, encore une fois, la revanche sera sur la chaîne de Sauvain. N'hésitez pas à aller avant, j'espère que je vais déglinguer. Et n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus aussi, à vous abonner, ça ferait plaisir. Yes. Parce que voilà. Un jour, on atteindra peut-être les 15 000, après les 20 000. Après, on ira dans l'espace. Ben ouais. Donc, n'hésitez pas, ça fait plaisir. Et du coup, le site du Dokkanik encore dans la description. Voilà, n'hésitez vraiment pas à aller jouer, etc. À kiffer, à inviter votre maman, votre papa, votre prof de PS. Allez, vas-y, passe à l'intro. Vous parce que là, vous tu vas trop loin, hop. Gros. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Et je laisse le mot de la fin, Sauvain. Ah putain, merci pour le mot de la fin. Bah du coup, un grand merci à toi, Boustage, de m'avoir invité sur ta chaîne. Ça fait... C'est la première fois, non? Non, c'est la première fois. Ouais, bah oui, c'est la première fois. Première et certainement dernière. Et puis... non, c'est pas vrai. Un grand plaisir, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Et puis retour sur la chaîne. Et puis on plein de bisous. On vous fait des gros bisous. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, ciao.